Sunday morning I felt the parade. Someone leaving in the world today. I looked low, I looked high, I only missed one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon agenda budget. Voilà, pour pouvoir bien gérer son compte, comme si vous aviez une entreprise. Et oui, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, je vous montre mon agenda budget mensuel. Je gère mon budget avec des enveloppes. Voilà, spéciale enveloppe. Donc, je vais vous présenter. Alors, voilà, ce carnet appartient à moi, à Corinne. Donc, je vous montre. Donc, là, voilà, les objectifs à définir. Voilà, vous marquez ce que vous avez envie. Donc, moi j'ai commencé, alors au mois de juin par exemple, voilà, c'est mon agenda. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de l'année. Hein. Moi je l'écris au crayon de papier, comme ça j'ai plus qu'à effacer et à refaire l'année prochaine. Donc voilà, donc ici vous voyez mon agenda, donc, par exemple le 16 juin, c'est l'anniversaire de Jérémy. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez la page pour écrire tous vos revenus, vos charges variables. Alors, charges variables, ça veut dire que ce n'est pas toujours la même somme. Voilà. Moi, je ne laisse jamais à zéro mon compte. Il y a toujours un petit peu d'argent. Après, je déduirai au fur et à mesure si des fois je fais des achats sur Internet qui n'étaient pas prévus, par exemple. Mais j'évite, hein, j'évite. Ensuite, les charges fixes. Alors, charges fixes, ça comprend bah, vos crédits. Par exemple, vos crédits immobiliers, la massif, vos assurances, l'électricité, l'eau, les impôts, voilà. Les trucs que vous payez tout le temps, toute l'année. Ensuite, bah, vous réécrivez, bien sûr, vos crédits. L'épargne mensuelle. Donc, moi, j'ai un crédit, J'ai un compte épargne avec ma banque. Je verse tous les mois 25 euros. Et je verse, là, pour l'instant, je prévois de mettre que 10 euros. Parce que, bon, là, c'est à moi un petit peu compliqué. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, hein, je vais gérer, il n'y a pas de souci. Et puis après, ça vous donne le revenu plus les dépenses, ça vous fait une somme. Donc, par exemple, pour moi, il me reste 594,53 € pour mes enveloppes. Donc, les enveloppes, voilà. Donc là, vous écrivez, vous avez vraiment beaucoup de place hein, pour écrire, il n'y a pas de souci. Enveloppe, espèce ou enveloppe virtuelle. Donc moi, j'ai des enveloppes en espèce. Voilà, pour l'alimentation, santé d'hiver, imprévus, animaux et recevoir. Recevoir, en fait, je mets 30 euros tous les mois. Et puis, une fois j'aurai 120 euros dedans, j'utilise ben, le jour où je vais inviter du monde à la maison. Voilà, c'est ça en fait. Et après, je réajoute. Et puis, si un exemple, ben, j'ai 120 euros, ben, je mettrai ces 30 euros ailleurs. Ça peut être dans une épargne, ça peut être... voilà, on verra. Donc, après, les épargnes virtuelles, moi, c'est pour mon gazole, en fait. Voilà, j'ai un compte chez Lydia. J'ai créé une enveloppe gazole, je mets 30 euros. Et puis, mon compte Lydia principal, bon, là, je mets rien, j'ai rien prévu, parce que j'ai 21 euros dessus, donc j'ai pas besoin. C'est au cas où je vais faire 2-3 courses à Action, par exemple, c'est du bricole que j'ai besoin, c'est tout. Et le bilan épargne, donc j'ai deux comptes, j'ai le LDD et le LDDS pour les vacances et pour les imprévus. Et puis après, j'ai mon compte Lydia où j'ai mes enveloppes virtuelles, donc pour ma voiture, entretien, la chaudière, anniversaire, gaz, travaux maison, cadeaux divers, taxes foncières, animaux et impôts. Voilà, donc tout ça, on répertore tout. Donc, ce qui fait qu'il me reste 54,53 € sur mon compte bancaire, donc que je laisse dessus, au cas où j'ai besoin, voilà, de faire un achat. Mais, comme je vous disais, j'ai vite.
Et puis ensuite, les défis épargne. Voilà, donc moi je fais le défi de 120 euros, ça c'est en plus, hein, je vous montrerai après. Voilà, épargné déjà, défi 2 euros, défi 5 euros, défi des centimes, défi météo, défi début de mois, défi 52 semaines, challenge pièce, défi jour férié, défi urgence et défi Noël. J'ai deux épargne urgence, une virtuelle et une dans mon compte épargne. Et défi Noël que je commencerai au mois d'août. Ensuite, vous avez donc la case « Que reste-t-il dans mes enveloppes chaque semaine ?» ou chaque mois, enfin ça sera chaque mois là-dessus. Donc je marquerai combien il m'a resté en fait, voilà. Histoire de savoir, voilà, donc ça. Et puis ensuite, bah après vous notez vos objectifs, vos défis, etc. Et après, le mois d'après, on recommence, après, ce sera juillet, etc., etc. Les anniversaires. Voilà, vous notez tout. Et là, avec ceci, en fait, vous pouvez pas, dépenser plus que vous n'avez, en fait. Il faut vraiment bien gérer votre budget. Vous marquez tout ce que vous avez en prélèvement. Et après, vous retirez que l'argent que vous avez besoin pour faire vos enveloppes. Vous allez payer en espèces. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au top. Vous avez en barre d'infos, de toute façon, le lien, si vous êtes intéressé, pour acheter l'agenda. C'est vraiment le top pour débuter dans nos enveloppes, ou même pas spécialement, parce que moi, ça fait un an que je fais ça. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool, du coup, je l'ai acheté. Et donc, le livre de défis est pas spécial petit budget, ou même gros budget, hein. Voilà. Je connais une youtubeuse qui, elle, fait tous les défis. Moi, je fais pas tout. Voilà, j'ai mis des petites étiquettes comme ça pour mieux me retrouver. Voilà, donc je fais les défis 2 euros, par exemple. Je vais vous montrer de toute façon. Défi 5 euros. Hop, je vais y arriver. Voilà. On va économiser jusqu'à 200, par exemple. Les défis des centimes. Voilà. Alors moi, je fais tout au crayon de papier. Hein. Comme ça, après, hop, je gomme et je recommence. Le défi météo du samedi, c'est ce que je fais, en fait. Donc là, aujourd'hui, il fait très, très beau. Donc, moi, j'ai décidé de mettre 3 euros. J'ai modifié un petit peu le somme. Voilà. Enfin, après, on fait comme on veut. Hein. Ensuite, le défi... Alors, je vais me dépêcher. Je ne voudrais pas que la vidéo dure trop, trop longtemps. Défi début de mois. Donc, chaque début de mois, vous mettez la somme correspondante. Par exemple, janvier, c'est 1 euro. Mais c'est 5 euros parce que c'est le numéro 5 du mois. Voilà. Et 12 euros, ce sera pour décembre. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez économiser 78 euros. Bah, à la fin de l'année, vous pouvez vous acheter un petit cadeau. C'est plutôt sympathique. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Le défi des 52 semaines. Donc là, pour économiser 1378 euros. Donc celui-là, il est là. Vraiment, je le suis. Vraiment. Donc là, j'ai déjà 210 euros. J'en suis à la 20e semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, normalement, cette semaine-là, je devrais mettre 21 euros. Donc ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Et là, tirelire, pour économiser. Alors moi, j'ai mis 50 euros. Une fois qu'il y aura 50 euros dans ma tirelire, je dépose toute ma monnaie à ma banque. Alors moi, je suis au Crédit Agricole. Et ça crédite toutes les pièces sur mon compte. Ça, c'est vraiment cool, la machine. Donc je vais mettre 50 euros. Et puis après, je récupère les 50 euros pour mettre dans mes défis au choix. Ou alors, pourquoi pas, en épargne. Voilà, aussi. Ensuite, j'ai choisi de faire Noël, mais ce sera à partir du mois d'août, je pense que je vais commencer. Pour économiser 500 euros, mais peut-être plus, je vais voir. Peut-être faire plus. Pour Noël. Ensuite, les défis jour férié. Donc là, pour économiser 160 euros, donc pareil, à la fin de l'année, au 25 décembre, j'aurai économisé 160 euros. Donc là, j'en suis à 70 euros. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, par exemple, pour payer le repas du jour de l'an. Voilà, ça peut servir pour ça. Pourquoi pas, hein. Je sais pas si c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs, je regarde. Ensuite, le défi fonds d'urgence, voilà, en espèces.
pour avoir 1000 euros en espèces, vraiment au cas où, voilà, il faut acheter quelque chose d'urgence. Voilà. Voilà, voilà. Donc, après, il y a tout ce qu'il faut dedans pour découper les étiquettes, pour coller sur vos enveloppes. Il y a aussi même pour faire un dé. Moi, je m'en sers pas. Et comme je vous disais, donc moi, j'ai rajouté des filles 120 euros, mais ça, c'est en plus. Voilà. Je vais vous montrer après. Donc, là, il y a le tableau, justement, vous marquez toutes les sommes que vous avez pu économiser. Voilà. D'accord? Tout est marqué, vous marquez fur et à mesure. Voilà. Donc, ça s'appelle livre de défi épargne. Voilà. Ça, c'est vraiment le top. Vous l'avez en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Vraiment top, top, top pour faire des économies. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons continuer là de voir combien j'ai pu sauver cette semaine. Alors, moi j'ai mon cahier de bouillon pour noter. Voilà. Donc là, on est à la 4e semaine. Donc ce mois-ci, il y a 5 semaines. Donc, je vais essayer que vous voyez, puissiez bien voir. Donc, 5e semaine, la 4e semaine, donc c'est là. Alors, on y va. On va prendre le porte-monnaie. Alors, hop. Tac-tac. Alimentation. Donc, pareil, hein, si vous voulez les liens pour le porte-monnaie que j'ai là, je le mettrai aussi en barre d'infos. Alors, on a des billets de 5 euros. Ça, c'est plutôt cool. Des billets de 5 euros. Alors, il y a déjà 10. 10. Ah, j'ai plein de monnaie, là. Hop. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Enfin, je vais peut-être me mettre là. Donc là, il y a déjà 10. Ok. 12. 12, 20. 22. 10, 22. Je vais mettre un dur. 2, 3, pour moi, calcul mental, donc c'est pas mon top. Alors, 10, 20, 30, 35, 37, 39, 40, 41. 41, 60 plus 0, 41. Donc là, j'ai 15,63 € pour les courses. 15,63 €. On va noter tout de suite. 15,63 € pour les courses. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas mal. C'est bien. Ensuite, carburant. Il me reste 10 € dans mon enveloppe virtuelle. Donc là, j'ai pas mis là, par contre, que je mette. 10 € il me reste sur l'enveloppe virtuelle. Donc ça, c'est cool. J'ai mis, voilà, et il me reste 10 €, donc ce qui fait que bah, les 2 € là, qui me restent, je vais les mettre dans une enveloppe virtuelle. Je sais pas, je vais voir, je verrai où je les laisse. Après, fonds d'urgence, évidemment, on voit pas du tout, pas pratique. Fonds d'urgence, j'essaie de voir si je peux, non, ça va pas. Fonds d'urgence. Bon, là, j'ai pas touché mon fonds d'urgence, donc j'ai mis 10 €. Donc, ça, c'est bien. 10 €. Donc, on note fonds d'urgence. 10 €. Imprévu, hein, je veux dire. Santé ou divers. Pareil, il me reste 10 €. Ça, c'est bien. J'ai pas eu besoin. Animaux, plus rien du tout. C'est vide. Voilà. Et puis, c'est bon. Bon, ça, c'est OK. Ça, c'est vide. Alors, le total, donc là, 0. Recevoir, on n'y touche pas, puisque c'est une enveloppe qu'on laisse en permanence. Donc, ce qui fait, alors, 10, 20, 35, 63 € pour cette semaine. Hein, c'est plutôt pas mal. Je vais noter sur ma fiche, où je note le bilan de la semaine, enfin des semaines, donc 35 €. 35,63. Donc, on était à 81,12 plus 35,63. Fait 116,75 €. Ben, c'est bien.
Donc ça, c'est plutôt... Oui, donc ça, c'est bien. Donc ça, ok. Donc ça, je le garde parce qu'après, je rajouterai sur mon agenda. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, maintenant, nous allons mettre... on va mettre les défis. Hein. Les défis, nous allons mettre l'argent. Alors, on a des billets, on a des billets de 5. Alors là, j'ai ma tirelire, là. Non, puisque j'ai mis... Alors, oui, je vous montre. J'ai une tirelire, je mets tous les jours 1 euro. Donc là, j'ai déjà mis pour demain. Là, on est samedi. Donc, je remettrai mardi, en fait. Comme j'irai faire les courses mardi, je mettrai pour lundi. Ouais, voilà. Je mettrai avec la monnaie de la semaine. Donc, voilà. Donc là, ça permet d'économiser 365 euros facilement. Vous mettez 1 euro chaque jour. Voilà. Sauf aujourd'hui, j'ai mis les 2 euros parce que j'avais une pièce. Donc, du coup, j'ai mis jusqu'à dimanche. Ce qui fait que, moi, j'ai commencé le 9 février. Et ça veut dire que le 8 février, en 2024, j'aurai 365 euros. Voilà. Ça fait plaisir quand on voit toutes, les billets qui commencent à se remplir. Puis après, je prends la monnaie, je remets un billet à la place. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'est vraiment facile à faire, hein. Vraiment tout simple. Allez, c'est parti. Nous allons mettre l'argent. Alors, on y va. Donc là, on va commencer par le défi des 2 euros. Ça tombe bien. J'ai des pièces de 2 euros. Voilà. On va mettre les deux pièces là. Alors. Donc, 2 euros. Alors, j'ai un crayon de papier. Alors, on va mettre 4 euros en plus. 2 et 2. Hop. Donc, ça, c'est cool. Alors, les 2 euros, ils sont là. J'ai déjà remplacé déjà les pièces par un billet. Donc là, je rajoute 4 euros. Ce qui fait, on est à 20. Voilà, je gomme. Ça, je mets directement. 20 euros. On continue. Alors, le défi de 5 euros. Donc là, on en a 2 billets. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ça, c'est pour les vacances. Alors moi, j'ai mis dans l'ordre, en fait. Vous voyez? Donc là, les billets de 5 euros, ils sont ici. Donc j'en mets 2. Je vais cocher les 2 petites cases. 1 et 2. Donc 60, ça fait 70. J'étais à 60 euros. Et maintenant, soit 70. 70. On va mettre dedans. Ça commence à monter, hein. On voit tous ces petits billets, là. Ça fait plaisir de voir ça. Alors, ces billets-là vont servir pour les vacances, pour les loisirs. Voilà, pour se faire une glace, pour se payer, le cinéma ou n'importe. Enfin, voilà, ça, c'est plutôt cool. Je suis à 70 euros maintenant. Donc, ça, c'est bien. Ça commence à monter. Ensuite, défi. Alors là, c'est le défi centime. On le fera à la fin. Le défi centime, hein, c'est celui-là. On va faire un défi météo parce que là, aujourd'hui, il fait très beau. Défi météo, le centime, on fait ça à la fin. Défi météo, elle est là, mon enveloppe. Donc aujourd'hui, nous sommes la semaine 21. Donc il fait très beau, hein, vous voyez le soleil. Donc on va mettre 3 euros. On va mettre 3 euros. J'espère que je vais avoir, et non j'ai pas, je vais mettre un billet de 10, je vais me prendre la monnaie, c'est pas grave. Donc 3 euros, je mets... un billet de 10, donc je vais prendre 7. Alors, 2, 4, 5, 6 et 7. Alors, pile poil. 7. Voilà. Normalement, j'ai 10 euros. Alors, déjà, là, les 10 euros. C'est ça. Tout à fait. 7 euros plus 3, ce qui fait 10. Voilà. Ça, j'ai moins de. Voilà. Donc, 7 et 3, 10. 10 euros pour ici. Ok. Ok. Après, défi 52 semaines. Par contre, là, ça va peut-être être difficile de remplir. Défi début de mois, c'est bon, on n'a pas besoin. Et défi de 52 semaines, là, on doit mettre 21 euros. Donc là, par contre, je vais mettre ce que je vais pouvoir mettre. Donc 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. On va mettre 18 et puis on remettra 3 euros. On va faire comme ça.
Je sais qu'il y aura 3 euros à rajouter. Donc, je vais mettre les 18 euros. Allez. On met les 18. C'est pas grave. On met les 18. 18. Donc, je vais mettre dessus. Alors, je vais cocher la case 21. Mais je vais mettre quand même, je vais mettre la prochaine fois. 18, 19, 20, 21. Donc, il faut que je mette 3 euros. Enfin, je vais mettre 3 euros ici. Voilà. Vous voyez comment je fais? Parce que j'ai pas pu mettre les 21, donc j'ai mis, voilà. J'ai quand même coché la case 21. Et mettre, la prochaine fois, les 3 euros. Comme ça, la prochaine fois, je saurai qu'il faudra, je rajoute 22 euros plus 3. Donc ça, il faudra vraiment que je les mette. Important. Donc ça, c'est OK. Alors après, ma petite monnaie qui me reste. Donc du coup, ici, je vais pas pouvoir mettre là. Je vais peut-être, bah, moins du centime. On va remplir la case de centimes. Voilà, ici. Donc, ben voilà, il reste plein de cases. Donc, on va mettre un centime, là. Je coche la case un centime. Je vais essayer de zoomer. C'est pas évident. Là, voilà, j'ai un centime. Voilà, j'ai mis la petite pièce. Je la mettrai après dans l'enveloppe. 2 centimes. Ah, pareil, je coche. 2. 3 centimes. Ça tombe bien, j'ai 3 centimes là. Allez, 3 centimes. On met. Là, c'est une pièce de 2. Là, c'est une pièce de 5 centimes. On va mettre. 5 centimes. Ensuite. 20. J'ai 22, ah bah voilà, 22 centimes, j'ai la case qui est libre, parce que j'ai des cases déjà prises, 22, on est. Ensuite, je pourrais mettre, là j'ai 30 centimes, j'ai déjà pris, sinon on va la mettre dans la tirelire, c'est pas bien grave. Voilà, on va mettre dans la tirelire. Donc là j'ai rajouté, alors je sais plus ce que j'ai rajouté du coup, alors 20, 25, 27, 29, 30, 32, 33 centimes, j'ai mis. 33 centimes, donc il y a 32 euros et 33 centimes. Voilà, donc j'ai rajouté. Je vais mettre dans mon enveloppe 2 centimes. L'enveloppe des centimes, elle est là. Enfin, pareil, hein, j'ai déjà échangé la monnaie contre des billets. Donc ça, je rajoute dedans. Et puis pareil, fur et à mesure, quand j'aurai un billet de, par exemple, 10 euros de monnaie, hop, je vais à la banque et je récupère le billet. Donc ça, c'est bon. Pareil, c'est vraiment de l'argent, j'ai mis de côté très facilement, sans s'en rendre compte en fait, c'est ça qui est bien. Après, j'ai ma tirelire, ma grosse tirelire. Alors pareil, hein, si vous la voulez, vous avez les liens. Alors, ma tirelire, voilà, donc là, on va mettre les 30 centimes. Hop. Là, on en met un petit peu partout. Donc là, j'en suis à 48,98 €. Et oui, j'ai pas encore. Bon, on va gommer. On va mettre 98 ici. Voilà, 48,98 €. Hein. On est presque au bout des 50. Hein. Pas encore. Hein. Voilà, donc ça, c'est noté. Voilà. Après, je récapitulerai après, à la fin, parce que bon, ça va être trop long de la vidéo. Donc, ça, c'est fait pour le défi. C'est noté, c'est rempli. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je suis contente. Et ensuite, nous allons remplir les enveloppes. Ah oui, juste avant de remplir, je vais juste vous expliquer, en fait, le défi des 120 euros que j'ai. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. En fait, ce sont des petites enveloppes, là, dont j'ai déjà mis, hop, voilà, 10 euros et 9 euros, voilà, pour économiser 120 euros, pareil, facilement, bon, là, j'ai pas pu le faire, j'avais pas assez d'argent, ce sera la prochaine fois, et donc, voilà comment ça se présente, voilà, j'ai plusieurs étiquettes, j'en ai 10 au total, je crois, je sais plus, oui, et voilà, donc là, il y a un petit cœur à gratter, et ce sera la somme correspondante à ce que je vais mettre. Voilà. Ce sera la prochaine fois. Quand j'aurai un peu plus d'argent, je le ferai.
Donc ça, c'est... Bon, c'est sympa à faire. Voilà, donc ça, les défis sont rentrés, c'est fait. Et maintenant, nous allons rentrer l'argent pour la semaine qui arrive. Donc, la réserve. Alors, la réserve, donc la dernière semaine. La dernière semaine, donc, la dernière semaine, parce qu'il y a 5 semaines, donc je compte 5 semaines, puisque j'aurai que ma paye que le 5 juin, ou 3, donc pour moi ça compte 1 semaine. Voilà, j'ai fait 5 semaines pour moi de mai. Donc 90 euros je crois, j'avais prévu, ah non, 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 60 euros. 60 euros pour la dernière semaine, bon ça devrait être faisable. Normalement c'est bon. Normalement, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai pas spécialement besoin de choses. Les animaux, ils ont ce qu'il faut aussi, donc, oh, j'ai y arrivé là. Donc ça, hop, on met les 60. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc ça, hop. Voilà. 60 euros. Ensuite, le fonds d'urgence. Donc, c'est 10 euros. Au cas où il n'a pas assez, on prendra du temps. Voilà. Pour la santé, 10 euros. Santé ou divers, hein, bien sûr, hein, divers. Hop. Si j'ai besoin d'acheter un timbre, voilà, ça peut être pour plein de choses, hein. Timbre, enveloppe, comme ça, on va mettre dedans. Animaux, ben on n'y a rien, hein, de toute façon, ils ont ce qu'il faut, on s'aillera, ça va tenir jusqu'à début juin. Et comme je vous disais, voilà, mon enveloppe recevoir, elle est là, en fait. Donc là, j'ai 50 euros dedans. Donc la prochaine fois, ben je mettrai 30, on fera 80. Et voilà, on va continuer. Après, si j'ai besoin, comme je sais qu'au mois de juin, je vais avoir des invités, donc je prendrai dans l'enveloppe là pour faire les courses, pour acheter ce qu'il faut. On prévoit de faire un barbecue. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait pour la semaine. Voilà, voilà. Donc tout est rempli. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à partager ma chaîne. Ça fait plaisir et en plus c'est gratuit. Le livre de défi épargne, vraiment, il faut aller voir. C'est vraiment sympa comme livre pour faire des économies. Voilà, je gère mon budget. C'est vraiment simple et vraiment efficace. N'hésitez pas, vraiment, franchement, ça vaut le coup. Hein, après, vous allez voir quand vous allez faire vos comptes, ça sera avec plaisir, vous serez content. Ça y est, je suis plus à découvert. Voilà quoi, des petits défis comme celui-ci, 1 euro par jour, c'est quoi 1 euro, c'est pas grand chose. Alors bien sûr on va vous dire, mais pourquoi ne pas mettre directement 30 euros? Oui, c'est vrai, mais pas pareil, 30 euros, des fois on les a pas, spécialement, on va pas les avoir. Que 1 euro, bon bah allez, je mets ma petite pièce tous les jours, c'est comme un jeu. Après, ça peut arriver, vous n'avez pas de monnaie. Bah c'est pas grave, faites la monnaie de temps, vous prenez la monnaie, ou alors ce que vous faites. Bon, bah, c'est pas grave, mais pour 5 jours, ça sera fait. D'accord? Mais, le but, c'est de mettre tous les jours 1 euro. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est tous les jours, en fait, on y pense. Ah, mais il y en a 1 euro. Oh, faut que je mette 1 euro. Ça peut arriver, mais c'est bien arrivé. Ah, merde, j'ai oublié de mettre ma pièce hier. Bon, bah, hop, le lendemain, je vais mettre 2 euros. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis 2 euros d'un coup, parce que j'avais une pièce de 2 euros. Bon, bah, voilà. Ça, moi, c'est fait. On n'en parle plus. Et bon, je sais que mardi, quand je vais remettre, ça sera avec tout le monde la monnaie que je vais avoir. Et ben, je vais mettre pour mardi, lundi et mardi. Voilà. Et voilà. Et comme ça, ben, je trouve que c'est très motivant quand on regarde après à l'arrière les billes qui commencent à se former. Et puis surtout que, ben, après, oui, c'est. Voilà. Donc, c'était pour vous faire une petite vidéo budget aujourd'hui. Voilà. Je me suis dit, je vais vous présenter les livres. Je trouve ça comment dire, très motivant. Vous pouvez le faire aussi dans des enveloppes papier, hein, pas obligé de faire comme moi dans des enveloppes transparentes, hein, vous pouvez être dans des enveloppes papier, hein. Ça aussi, hein, ça marche aussi, hein, très très bien. Hein.
Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Faites plein, plein, plein d'économies. Profitez du beau week-end, hein. Un week-end prolongé. Donc, ça va faire du bien, il fait beau. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne, à partager aussi. Ça fait plaisir et puis surtout, c'est gratuit. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.